La baie James, 14 heures de route de Montréal et Québec. Comment amener vos élèves rapidement à destination avec la réalité virtuelle? Grâce à la réalité virtuelle, les élèves pourront observer les paysages à perte de vue de la baie James, mais aussi les installations du barrage Robert-Bourassa. Ils auront ainsi une bonne idée des ressources, mais aussi de l'aménagement de ce territoire énergétique. Pour faire cette tâche, vous aurez besoin d'un téléphone ou d'un iPod, de visionneuses et de l'application YouTube. Première étape, demandez à vos élèves de visionner la vidéo d'Hydro-Québec sans le son. Demandez-leur de noter leurs observations pour situer, mais aussi caractériser le territoire. Deuxième étape, en classe, visionnez à nouveau la vidéo, mais cette fois-ci avec le son. Les élèves pourront valider si leurs observations sont les bonnes. Troisième étape, demandez à vos élèves de réaliser un croquis du territoire à partir d'un paysage. Le tout peut se réaliser en une ou deux périodes. Bonne visite!